Bonjour et bienvenue. Ok. Je suis citoyen de la terre. Camerounaise, peu importe. Je suis arrivé à Abidjan, ils m'ont donné la nationalité. Tu vis dans quel pays? Je n'ai pas de pays fixe. Pour ça que j'arrive pas à te répondre. Un coup je suis en Côte d'Ivoire, un coup je suis au Gabon, un coup je suis partout. Pourquoi se limiter à un pays si tu peux aller partout? Salut, salut. Bon, je vais recontacter la dame pour lui demander de faire un dépôt à nouveau. Mais te refaire un dépôt. Contacter la dame qui a fait le paiement au Bénin que je devais consulter hier là. Vous lui demandez de refaire le dépôt sur le même numéro d'hier. La dame pourra recevoir l'argent maintenant. Bon. J'ai un message pour vous, donc je prends mon temps pour pouvoir le sortir. Ça ne passe pas bien. Je purifie l'atmosphère. J'enlève les mauvaises énergies. Bonjour la reine Stéphanie. Je chasse des mauvaises ondes, des mauvaises pensées. Utilisez beaucoup votre huile de blindage. Parfois tu restes comme ça, là tu sens la pression sur ta poitrine. Parfois les gens font vous savez, des attaques. Hein. Les gens font des incantations sur vous. Tu restes comme ça que quand tu as une mauvaise pensée par rapport à toi, soudainement tu sens les maux de tête. Soudainement je te sens faible. Donc il n'y a pas que la parole. Ah, l'huile de blindage, regardez bien ceux qui ont l'huile de blindage, normalement ça a deux tons. Tu mets une partie de cette huile dans ton huile pour te oindre. Et l'autre, tu les dans la boîte comme ça. Ça
Avant d'utiliser, tu secoues. Quand tu secoues, ça devient comme ça. Ça change, ça devient... Il y a déjà de la poudre à l'intérieur aussi. Donc tu mets généralement sur la partie qui te dérange. Juste un peu, tu n'as pas besoin beaucoup. Mets sur la poitrine. J'ai beaucoup insisté sur les poitrines là parce que beaucoup de flèches qu'on vous envoie, c'est généralement sur la poitrine. Mets sur le visage. Donc celui de blindage, ceux qui demandent. Ok, on va commencer. Il y a trois produits phares que vous devez toujours avoir dans votre sac. L'huile de blindage, le donne-moi tout, sors de moi. Et l'huile mille faveurs. Voilà l'huile mille faveurs. Je vous ai dit que je n'ai pas de voix fixe, vous pensez que je mens. Je viens mentir ici sur TikTok, vous me donnez quoi? Je me casse pour mentir que vous me donnez quoi si je vous mens. Je n'ai pas d'endroit fixe, vous pensez que je mens. Je n'ai pas d'endroit fixe. J'ai ma maison, mais je ne vis même pas chez moi. J'ai ma maison. Ce qui part à ma kepe, c'est chez moi. Mais physiquement, tu peux me trouver à ma kepe. Vous aimez qu'on vous mente. Si vous cherchez les escrocs, partez, pardon. Je n'ai pas besoin de vous. Je me demande là où je vis. Je n'ai pas d'endroit fixe. Cécile, pardon, il faut partir. Quitte. Tu es là-bas, tu es bloqué d'abord. Je n'aime pas les femmes bloquées qui viennent déranger les gens le matin. Tu n'as pas mangé le chocolat la nuit. Je chasse de mauvaises ondes, les mauvaises énergies dans ce direct. Je restaure la paix. Je restaure la joie dans votre cœur. N'insultez pas les gens sur ma page, je vous en prie. Ne vous dérangez pas pour les insulter. Laissez-les. On est en train de se relaxer, donc ça va déranger. Même la mélodie, c'est la voix, ça va déranger les Decepticons. Bonjour, monsieur Thierry. Je vous donne la joie. Je mets la joie sur vous. Je vais voir les messages qu'ils ont pour vous. J'ai eu plusieurs idées de messages. Quand c'est comme ça, ça veut dire que les messages vont sortir seulement comme ça sort. Recevez le bien-être. Je viens libérer votre cœur de toute amertume. Vous oubliez les factures. Vous oubliez la pression du travail. Tu as ton rapport que tu devais donner au travail, tu n'as pas encore fini. Tu es en train de stresser. J'enlève le stress de ton cœur. Inspirez, on va inspirer ensemble. Inspirez, hein, vous inspirez la bonne humeur, la joie, la paix, le bonheur, les compliments, l'argent.
Allez, on va inspirer ensemble. Inspirez la paix. J'enlève le stress. En expirant, on laisse le stress sortir. Et c'est ma vie d'aller dormir. J'ai envie d'aller dormir, oh. Mais comme je suis en train de commencer le direct là, il me sent tellement bien. Recevez les compliments. Recevez les compliments aujourd'hui. Tu es belle, tu es beau. J'aime être à côté de toi. Il fait bon vivre avec toi. On va se dire à l'intérieur de soi-même, je suis heureuse. Allez-y. Inspirez en vous disant, je suis heureuse. Inspirez. Expirez. En expirant, vous envoyez la paix dans le monde. Inspire à nouveau. Inspirez l'argent. Les dépôts d'argent dans votre compte. Inspirez. Vous avez reçu un dépôt de... Votre compte a été crédité de... Orange Money, notre bon gars, notre bon payeur. Vous voyez ces messages qui arrivent. Le bon payeur Orange Money. Vous voyez ces messages. Vous savez, tout va bien se passer. Tout concourt pour votre bien. Je sais que vous avez beaucoup de films dans votre tête. Comment ça ne peut pas marcher? Comment on ne va pas vous donner? Comment ça va échouer? Répétez avec moi, tout se passe toujours bien pour moi. Allez-y. Tout se passe toujours bien pour moi. Bon, on m'a demandé de vous dire ceci. Ça va correspondre avec ce qu'il y a dans votre cœur. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous.
Vous avez déjà libéré beaucoup de malédictions sur vous, sur vos enfants. Certains d'entre vous, vous n'avez pas fini l'école, vous n'avez pas eu le bac. Oh, tous tes enfants vont avoir le doctorat. Tes enfants vont avoir le doctorat. On t'a épousé, on t'a abandonné. Voilà que toutes tes filles vont se marier. Pas avec les pauvres, avec les bonnes personnes. Ça t'a souffert avant d'aller en bain. Tu as fait 15 ans avant d'avoir les papiers. Ta fille est née, elle avait les papiers déjà. Ta fille va aller n'importe où, elle part. Expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est comme si je m'appelle et qu'elle conduit. Oui, je voulais d'abord te dire que. Ça m'énerve. Hanson, tu viens me demander si une femme est la femme de ta vie. Hein? Les mendiants sur TikTok. Hein? Une décision aussi importante pour ta vie, tu veux qu'on te la dise comme ça là pour rien? Faites attention au gratuit. Très attention. On continue notre méditation. Je disais donc, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà brisé les malédictions générationnelles sur vous et sur vos enfants. Donc à partir de toi, il n'y aura plus les souffrances dans ta famille. Tu as libéré tes enfants. Il y a une dame qui m'a fait un message depuis dimanche, c'est ce matin que j'ai vu. Et ça fait un an et peut-être trois mois, c'est novembre 2021, qu'elle est tombée sur mes vidéos. Elle a regardé, je crois que c'est après six mois qu'elle m'a contacté. Et dans son message, en fait, elle me disait juste sa gratitude. Comment, en un an, elle a vu comment sa vie a tellement changé. Ça, c'est une dame qui a eu un enfant. Elle va avoir la vingtaine. Et elle a donné l'enfant pour adoption. Merci pour les fleurs. Elle a donné l'enfant pour adoption. Et 30 ans plus tard, 30 ans. Décembre 2022, tous ceux qui me suivent, vous savez très bien que fin d'année, il y a des moments clés comme la fin d'année, début de rentrée scolaire. Ce sont les moments clés dans lesquels je vous fais toujours écrire vos désirs, ce que vous voulez. Quand vous payez votre dîme, vous écrivez donc. Elle me dit qu'en décembre, elle a émis le désir de voir ça, son enfant. Et reste comme ça au mois de juin. Son enfant la contacte. Après 30 ans. Et là, l'enfant est venu la visiter. Et il savait que l'enfant commençait déjà à avoir, parce que la dame en question, elle a des pouvoirs.
Et son enfant commençait, était en âge où elle commençait à avoir des manifestations. Mais on ne la comprenait pas dans sa famille. Donc elles se sont rencontrées. Elle a pu permettre à l'enfant de se comprendre. Je dis enfant, c'est une fille de 30 ans, c'est une grande fille. Est-ce que vous connaissez la possibilité ou les probabilités pour que, après que tu aies donné ton enfant pour adoption, pour que cet enfant te cherche d'elle-même? Et c'était quelqu'un que dans sa famille, on s'était à moquer d'elle. Voilà, tu vas mourir vieille comme ça, là, sans enfant. Voilà. Et voilà que soudainement, elle est restaurée avec sa fille, réunie. Soudainement. Il y a beaucoup de malédictions générationnelles, des choses qu'on avait prévues pour votre chute. Que Dieu est grand, ça veut dire quoi? Dieu est grand, ça veut dire quoi? Sortez avec votre religion là. Hein? Il fallait qu'elle s'asseye et qu'elle dise que Dieu est grand toujours. Même elle a encore fait 50 ans sans voir son enfant. Dieu est grand. Il y a des trucs que les chrétiens disent souvent que ça m'énerve pour rien. Ça m'irrite. Parce que j'ai dit ça pendant des années, ma vie n'a pas changé. Dieu est grand. Dieu, Dieu, le temps de Dieu. On te raconte quelque chose que Dieu est grand. Attendez toujours Dieu. Hein. Attendez, vous avez compris. Pour Piap, attendez toujours. Attendez, hein, il arrive. Hein. Attendez-vous. Attendez. Dieu le fera. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh. Attendez-vous. S'il vous plaît. Ma vie a avancé quand j'étais fatiguée d'attendre Dieu. C'est là que ma vie a commencé à avancer. Souvent, on vous endort dans des dogmes. Tu as été bloqué. Donc voilà, tu imposes la même chose à ton enfant. Voilà ton enfant. Hein. L'enfant grandit, il va te suivre tes pas sans te dire rien. C'est à 40, 45 ans que ta vie a commencé un peu à donner quelque chose. Tu achètes ta première voiture à 38 ans. Ça ne te dit pas quelque chose? Hein? Quand ils voient ma part de mission, c'est qu'on m'a donné, souvent ça m'énerve. Souvent ils me fâchent avec Dieu, je dis mais pourquoi? Pourquoi? Ils ne comprennent pas, il fallait me laisser parler. Ah, laisse-moi. Parle aux gens chaque jour, ils sont toujours là. Le sel, lave-toi avec même le sel. Souvent, de temps en temps, c'est le frère de qui? Si vous connaissiez l'assiduité des personnes qui vont vous bloquer, vous seriez choqué. On dit, prends ça, tu te lèves à minuit, tu souffles trois fois, tu appelles le nom de la fille là, tu la bloques. Elle va mettre l'alarme sur son téléphone. Elle va mettre l'alarme sur son téléphone, se réveiller à l'heure là. Dis que Thérèse, on est là, alerte. Je te bloque. Tu ne vas pas avancer. Te voilà. On a dit, lave-toi avec le sel. J'ai fait une fois, je suis tombée malade. Moi, j'ai laissé. Hein. De temps en temps, habite. Carrefour, j'y vais.
Te voilà. Souvent, on dit que l'autre ici là, tu dois te lever à 3 heures, tu allumes la bougie, tu mets sur sa photo. Tu laisses la bougie brûler jusqu'à ça finit. Elle va s'asseoir. Regardez comment la bougie la brûle. Méditez ta perte. Quand les esprits là parlent souvent à travers certaines personnes, quand ils montrent comment ils ont bloqué, ça me fait mal. J'ai dit merci. Parfois tu vois une mère comme ça là, elle a 4 enfants. La première est là-bas peut-être en France. Un rienton, un vaurienton a pris la tête de sa fille. Ça fait même 5 ans que la fille n'a jamais envoyé 5 000 à la mère. Alors que c'est la mère qui s'est cassée. Prendre les crédits à la réunion à gauche, à droite pour faire le visa de la fille pour qu'elle parte. Chacun a son destin, n'est-ce pas? Attends, elle te bloque d'abord. Il faut quitter avec ça. Là, vous m'énervez, là, vous bloquez même ça. Deuxième enfant. À Yaoundé, la licence. Depuis 2 ans, elle cherche le boulot, elle ne trouve pas. Troisième enfant, il a fait le concours. Il a passé la première partie, après il a raté la deuxième partie. Finalement, il doit aller passer quelques temps en Guayaquil pour je ne sais pas. Au Salé, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu me poses ta question, si elle veut répondre, si elle ne répond pas. Je ne fais pas mes TikTok pour vous parler, pour répondre à vos questions. Qui sont évidentes, qui sont dans mes vidéos. Tu ne peux pas aller fouiller mes vidéos, tu laisses. Parfois, tu vois quelqu'un qui a l'abonnement chez le marabout pour te bloquer. Hein. Elle a l'abonnement. Chaque mois, elle dit, hey, on peut encore faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on peut faire pour bloquer la fille là? Et il abandonne. Vous voyez, quand vous voyez le film, parfois je me dis que les Decepticons, les chefs bandits de ta vie, voient le film. Et ils voient comment dans le film, le chef bandit, on le tue à la fin. Ça ne les empêche pas qu'il soit ce chef bandit de ta propre vie dans la réalité. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un voit le film, il voit comment on tue le mauvais gars à la fin. Ça n'empêche que quand il éteint le film là, il part, il devient le mauvais gars de ta vie. Racontez-moi toujours vos rêves, je vais vous bloquer. Je me fous royalement de vos rêves, ok? Vous avez vu, c'est là le titre de mon direct, c'est Interprétation de rêves. Je me fous de vos rêves. Et tu vois la mère là. Tout ce qui l'importe, c'est qu'elle veut aller, elle va acheter la Bible pour partir à la réunion pour qu'on la voie. Je dis, mais la femme, c'est la réfléchissement. Travaille sur tes enfants. Parfois que c'est la sœur de son mari qui est en train de bloquer les enfants de la femme. Tu expliques à la mère, il y a le tel traitement. Non, elle va acheter la Bible pour aller à la réunion qu'on la voie. Il faut qu'elle trouve l'argent pour partir au deuil de telle personne à bâtir. Malheureusement, c'est vous maintenant qui devez vous lever pour travailler sur vous. Beaucoup d'entre vous, vous devez prendre votre vie en main. Tout à part, tu vois le téléphone qui a 3 yeux. 3 caméras. Pour toi, dès que tu auras ça, ta vie va...
Kevin, je n'ai rien à faire de ta vie, vraiment. Tu me demandes que ta vie, je te connais, tu me connais. Les mangeants de TikTok l'ont arrêté. Arrêtez de venir manger l'islam. Voilà. Tout à part, tu veux la chaussure. Tu veux tomber la chaussure. Hein? Tu es en train de. Tu regardais quoi ce matin? Tu étais sur les trucs, tu voulais commander les chaussures, non? N'est-ce pas? Quand t'as les chaussures, tu peux mourir dans la belle chaussure. Arrêtez la simplicité. Il y en a parmi vous que je sais que depuis un an et demi, tu n'as même pas. Tu peux pas dire que tu as mis l'argent quelque part. Toutes tes économies, c'est sur le travail spirituel. La dame dont je vous parle, c'est que sa fille est venue, l'a trouvée comme ça. Chaque mois, elle fait le lavage. Chaque mois, depuis un an, elle fait le lavage. Je n'ai pas besoin du nombre d'animaux que j'ai fait pour elle, j'ai sacrifié pour la libérer. Le nombre d'outils et de vêtements qu'elle a acheté. Chapeau. L'autre jour, elle a payé un autre encore 100 000 francs. Un sac. Dit que j'ai vu ça dans mon rêve. Que c'est que ça là que je veux. Le sac traditionnel est. L'autre fois, elle a acheté une longue canne comme ça là. L'undop. Parfois, vous aimez, quand il vient vous dire les témoignages ici, là, moi, je dois vous dire comment les gens font avant que le témoignage se passe. Parce que vous ne croyez pas seulement qu'elle est restée, elle a regardé mes vidéos une fois en passant. Elle a pris le sel, elle a fait comme ça là dans l'eau. Une pincée de sel. Oh Seigneur. Certains d'entre vous. Et les blocages de ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, ta mère. C'est tout ça, c'est sur toi. Tu dois enlever un peu. Tu enlèves. Le mois prochain, tu vois l'autre, tu enlèves. Le mois prochain, tu vois l'autre, tu enlèves. Le mois prochain, tu vois l'autre, tu enlèves. Après, tu regardes, tu te vois, tu dis waouh. Waouh! Tu vois comment tes idées? Il y en a même qu'on a bloqué vos idées. Tu as écrit sur le mot de Côte d'Ivoire, j'ai vu. Je vais répondre après. On a bloqué tes idées. Tu étais toujours le genre de femme que. Éparpillée. Tu n'étais fixé dans rien du tout. Tu viens ici, tu commences un truc. Deux semaines plus tard, tu ne veux plus faire. Tu vois, deux semaines plus tard, tu ne peux plus faire. On t'a que fait ça. Tu es belle, brune. Pauvre. Laissez-moi comme ça. C'est pas moi qui parle. Oh. Oh Seigneur. Tu as les formes. Tu es pauvre. Parfois tu te regardes comme ça. Tu sais que tu n'es pas ça. C'est pas ta vie que tu as été de vivre. Non, je suis sûr que je ne suis pas censé être pauvre comme ça. Voilà, Cynthia, tu es brune et pauvre et tu acceptes. Est-ce qu'être brune peut forcément rimer avec l'argent?
Et c'est ce qu'on te demande souvent. On croit souvent que tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ah, j'ai touché certaines personnes. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu dis que ta question n'est pas censée. Je vois tes messages là, je sens que tu es pauvre, papa. Peut-être que moi te bloquer, mamie. Tu as compris? Il ne sait pas. Il ne sait pas. En fait, tu t'étais donné des excuses pour accepter la pauvreté. Tu avais toutes les excuses. Non, voilà. Même seulement ton huile. Tout le temps, tu te demandes que tu mets quelle huile sur toi. Parce que Dieu t'a donné la grâce. Que malgré ta pauvreté, même si tu mets seulement la vaseline sur toi, le menyanga, ça donne. Mamie, tu n'es pas censé être pauvre. Et te dis, moi, hurrah. Et te dis. Tu es belle, hein, avec les belles jambes. Hakée. Oh là là. Belle poitrine comme ça là, le ventre plat, brune, pauvre. Il n'y en a pas mis voix. Je ris, c'est vrai. Alors, voler vos étoiles à la naissance. Oui. Depuis que tu es petite, tu es allé chez une tante là. Prends l'étoile de quelqu'un, c'est pas facile, c'est pas difficile. Hein. Votre problème, c'est que vous n'étiez pas couvert, vous n'étiez pas protégé. C'est un peu comme si tu. Je vous ai parlé d'assurance hier, non? Mmh. Oh, oh my God. Mmh. Je disais que l'assurance ne peut pas assurer une maison qui n'a pas de cadenas. Une maison qui n'a pas de caméra. Parce qu'on sait que n'importe qui peut entrer, pas y prend. Il y en a parmi vous, vous aviez des mamans trop bêtes. Ta mère t'envoie chez n'importe qui. Parce qu'elle partait vendre la tomate de 500 le mage à la journée. Elle t'envoie chez n'importe qui. Hein. Tu veux l'enfant? Prends-la. Tu la veux? Prends-la. Hein? Prends-la. Te voilà. C'était même tu as les yeux du chat. Belle! Quand tu regardes quelqu'un comme ça là, tu as une beauté qui peut. Homo sapiens, bête ou naïve. Naïve, c'est seulement une belle façon de dire que tu es bête. Faut laisser ça, rester bête. Ce sont les mamantones. Elles t'aiment bien, elles te veulent du bien. Mais ses actes te font du mal. Ou son manque d'action. Une mamantone et une mamanticone, c'est différent. Mamanticone, c'est le genre de mère qui te bloque. Et on lui dit, elle ne fait pas. Mamantone, c'est le genre de mère que... Elle est simpletonne plus plus. Mm-hmm. Tu veux, je vais t'envoyer l'enfant pour les vacances. Hein? Parce qu'en rentrant, on va donner 10 000. On a pris ton aura même de 5 millions. On envoie avec 10 000 avec deux cahiers de 32 pages. Safka. Les cahiers Safka 30. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Vous connaissez pas le cahier Safka? C'est un blocage que vous avez. Certaines personnes avaient des esprits en eux qui faisaient qu'ils vous donnaient des paroles tellement blessantes. Tellement blessantes. Que ce que ta tante t'a dit quand tu avais 6 ans, c'est encore dans toi aujourd'hui. Il y a plusieurs formes de blocage. Hein? Ah, moi, tu es grosse, tu es bête. Qui va même un jour t'épouser? Te voilà aujourd'hui. Tu as 35 ans. C'est un tante que tu passes. Elle te tape comme ça. Hé! Hey, non. Moi là, mon enfant, pardon. Mon enfant n'invite personne.
Never. Never. Elle te tape. Elle met bien. Si tu deviens Cendrillon pendant 2 mois de vacances, et tu es l'enfant de son frère, hein? Et c'est son frère qui finance la maison là, qui donne tout là-bas à la maison. Donc elle écrase ta confiance en soi. Quand tu rentres chez ta mère, tu es une épave. J'avais envoyé ma fille chez son papa. J'avais remarqué que quelqu'un partait là-bas. Elle n'était pas joyeuse. La paix au téléphone est bizarre. Et lui et sa femme bossent beaucoup. Donc je sais que ça ne peut pas venir ni de lui ni de sa femme. Ça m'intriguait toujours que je disais, mais il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est, il y a un truc. Un jour, ils sont en vacances. Souvent, j'appelle comme ça pour bavarder avec, on fait les commentaires. Je suis au téléphone avec elle. J'entends la ménagère. Oh. Elle a insulté ma fille copieusement de la tête aux pieds. L'insulter. Parce que je crois que l'enfant, elle avait allumé la clim dans la chambre. Quelque chose comme ça. Hey! Ou bien elle avait allumé au salon, elle est partie dans la chambre restée. Quelque chose comme ça. Insultée. Sérieux, j'ai fait l'enregistrement, j'ai enregistré l'appel. Mais c'est vrai, quand il a dit à son père, il n'avait pas croire. Insultée. Après, il dit que dis à la femme là que je suis là, que tu te fous avec moi. Dès qu'elle dit ça, fous un peu la femme, elle se sursaute. Après, elle sort de la chambre et va au salon. Je dis que va au téléphone, au salon, tu dois au téléphone. Tu sais que quand on est à Boston, quand tu as découvert, tu vas encore faire comment? Oui, non, ce qu'il dit là, c'est vrai, non? Elle ne lave pas bien ses caleçons. Elle ne fait pas quoi sur ses habits. J'ai dit, waouh. L'enfant allume la clim. Tu quittes la clim, tu arrives sur ses habits, tu arrives sur son poids, tu arrives sur ceci. Donc parfois même les ménagères, il faut faire attention. Oui, on contrôle, non. Quand ta mère appelle, on contrôle. Mais oui. Vous ne le savez peut-être pas, mais... Ce sont les choses qui font que tu grandis. Hein. Tu ne crois même pas parce qu'on t'avait dit que tu crois que tu peux jouer épouser un blanc. Te voilà chez les blancs. Hein? Bonjour, monsieur Jean-Paul. Tu ne penses pas que tu mérites d'être avec un blanc. Parce que quand tu étais petite, on a brisé ça dans ton cœur. Ton image de toi ne croit pas que tu peux un jour sortir avec un blanc. Quand un blanc te voit, même, il veut même te draguer. Dans ton cœur, tu fuis. Ah, celui qui veut seulement m'utiliser. Ah, celui que. Alors que vrai, il t'aime. Cassandra, arrête de te plaindre ici. Hein. On n'est pas là pour se plaindre. Voilà. Moi, je vous connais. TikTok. C'est seulement là pour vous plaindre. On vous a dit que c'est la plateforme pour venir verser ces problèmes. Parfois, quand tu étais petite, on t'a dit que tu ne peux jamais. Tu ne peux jamais. Te voilà, tu veux être entrepreneur. Tu ne penses pas que tu peux un jour avoir une entreprise. Parce que quelqu'un t'a dit que tu crois que tu fais quoi là? Tu fabriques quoi là? Tu crois qu'il peut acheter? Tu seras pauvre comme ta mère. Souvent, on te dit prostituée comme ta mère. Ça reste dans ton esprit. Voilà, tu vas mourir jeune comme ta mère. Je vous dis, hein.
Donc voilà, tu grandis, tu commences à avoir peur. Ah, peut-être que je vais avoir les mêmes maladies que ma mère. Peut-être que. Ce sont des blessures d'âme que vous n'avez. Je sais qu'il y en a ici là que vous n'avez même jamais dit ça à quelqu'un. Ça revient. Parfois, on te dit que tu ne seras rien dans la vraie, dans la vie, tu ne seras rien. Tu es arrivé chez elle comme ça, tu as passé l'examen, tous ses enfants ont échoué. Ça l'énerve. Elle te donne un mot pour casser ta joie. Et voilà, te voilà, mon bâtard. Est-ce qu'on connaît même ton père? Vous blaguez. Et voilà, tu as 42 ans aujourd'hui. C'est ça qui te bloque. Hein? Pour les cas, on se connaît. Un polycap. Tu connais un polycap à Bafoussam, peut-être c'est toi. Voilà. T'enfermer dans la chambre avec ses enfants, te laisser au salon seul. Wow, je connais l'autre là. Pour faire rentrer du marché. Ça, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Elle rentre du marché avec les bonnes choses. Elle part dans la chambre et donne à ses enfants. Ils mangent. Après, ils sortent avec un peu comme ça sur leur bouche. Et comme les enfants sont les snobeurs, il va venir devant toi comme ça. Il fait. Et l'enfant a vomi. Il a nourrissé avec le blabouilli. Il a vomi. Elle a donné une gifle au bébé de 2 ans. Waouh! Net quand tu ouvres la porte. Ouais, mais il y en a qui menacent même nos enfants. Oui, oui. Ce sont des frustrations qui sont dans toi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai le gars, mais je suis frustrée. Pourquoi on lit, je ne veux pas qu'il me touche. Pourquoi tu... Mamie? Il y a les choses ici dehors, hein? Tu vois ton con comme ça là. Dans mon bâton, dit ngum, ça veut dire ça fait un jar, ça fait un jar. Un benguiste te drague. Parfois, hein, tous les enfants de la femme là sont partis en beng. Toi, tu es au pays. On vient, on te drague. Même comme ils sont déjà partis, elle ne veut pas que toi, on te drague pour t'amener aussi. Elle te bloque. Certains beaux ailleurs vous êtes calés en route à cause de vos tantes. Elle a juré que tu ne vas jamais traverser l'eau. Et c'est pas la blague. Il dit toujours que derrière un problème que tu as, il y a quelqu'un qui est assis. Moi, je vous dis. Et bien, les tantes qui viennent bloquer ta dot. Elles sont la liste de 5 millions. Non, si vous n'avez pas. Il faut ça. Le jour là, elle vient vous gâter. Elle-même ne s'est pas mariée. Elle a gâté le mari de ta mère. Ta mère est morte. Maintenant, elle ne veut pas que tu te maries. Voilà, ta propre petite est venue maudire ta fille dans la maison. C'est ça, non? C'est le tanticone.
Ta propre soeur, elle vient fausser ton enfant. Je vous informe juste que vous revenez de loin. Vous revenez de loin. Vous êtes en guérison. Ma mère a eu ça avec sa tante. C'est quand elle lui a acheté le pain et le savon qu'elle a pu voyager. Maman. Prends le numéro, tu viens acheter mes produits, mamie. Tu as de quoi noter, tu me dis, je te donne le numéro. Emmanuel, je vais te chasser, tu as compris. Tu as des messages bizarres. Quitte à vos faux commentaires. Là. Tu as découvert que ton conjoint pratique sur toi. Bienvenue au club. C'est le genre de conjoint que si tu veux... Monsieur Eno, vous me tutoyez pourquoi, monsieur? On se connaît? Que tu es toujours en Côte d'Ivoire. Monsieur, on se connaît. On est allé à l'école ensemble. Donc, prends le numéro. Plus 237 693 50 22 66. Le genre de conjoint qui pratique sur toi, quand il va voir que tu as un produit pour te débloquer, il va verser, jeter, appeler tout le monde, dire que tu es sorcier. Alors que c'est lui-même le chef, hein, c'est le chef sorcier. Donc faites très attention. Pour cette malédiction générationnelle, prenez le kit fondation. Vous faites avec 7 jours de jeûne. Nous suivez, non? 7 jours de jeûne. Voilà. Il t'a traité de tous les noms, non? C'est comme ça. Parfois, tu vas voir l'insistance de la personne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Je ne suis pas là pour expliquer vos rêves. Tu écris encore ton rêve et ça te bloque. Voilà. Ousseini, bonjour. La santé de ta tante s'est aggravée. Comme tu as remarqué comme ça, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. J'ai une de mes filles là, que elle là, c'était le blocage plus. On l'avait trop bloqué. On l'avait trop bloqué. Trop. La meilleure amie de sa mère l'avait bloqué. Elle part en mariage, sa belle-mère la bloque. La meilleure amie de la mère est venue dans le rêve, avouée. 2 jours plus tard, elle est morte. Deux semaines plus tard, je la lave encore. Venez pour le lavage physique, s'il vous plaît. Alors qu'elle fait le lavage physique, généralement, je fais avec le désenvoûtement en même temps. C'est pour ça que j'ai augmenté mes prix de lavage physique. J'ai touché la fille là. Je suis allé au village, elle est venue. 2 jours plus tard, sa belle-mère est venue dans le rêve, avouée. Ex-belle-mère Ticone, bien sûr. Comment elle avait bloqué. Comment la première fois qu'elle a vu avec son fils, elle a su que l'étoile de cette fille-là va aider son fils. Et comme la mère était mariée avec son propre fils dans le spirituel, il ne fallait pas que quelqu'un délivre l'homme-là.
qu'il y a beaucoup de personnes qui disent souvent que je raconte le film nigérien. Et il y a une qui me fait le témoignage. Elle me dit, j'ai toujours cru que tu faisais le film nigérien, que tu regardais trop les films nigériens. Jusqu'au jour où j'ai fait un truc, après je suis parti sur la tombe de mon père, j'ai parlé. Je suis en Côte d'Ivoire, monsieur Lajoie. J'ai parlé. Et après deux jours, Lexicon, père de ses enfants, il appelle. Elle dit qu'elle était dépassée. Tu quittes un homme parce qu'il te bloquait. Et il te dit que tu ne vas jamais avancer. Tu prends la légère. 10 ans plus tard, tout dans ta vie est bloqué. Elle dit qu'il appelle le matin là. Elle a un véhicule que depuis qu'elle a acheté. Ça fait un voyage panne. Donc Zaki de Bafoussam, ça part à Douala, ça tombe en panne à Douala. Ça fait 2 semaines. On arrange. Zaki de Douala, ça arrive à Bafoussam, ça tombe en panne. Lexicon l'appelle. Le kit fondation, c'est 65 000. Lexicon l'appelle. Il lui dit quoi? Ton véhicule là, tu n'es pas fatigué d'arranger ça. Il ne parle plus. Elle n'a pas mis sur un statut. Elle n'a dit à personne. Que ta voiture là, tu n'es pas fatigué d'arranger la voiture là. Tu vas avoir le kit, tu es en Côte d'Ivoire. Les kits sont disponibles à Abidjan. On poste dans vos villes. Pour si tu as envoyé la photo de ton père, il travaille sur lui. Certains de vos pères sont pris, leurs femmes les ont enfermées dans les bouteilles. Ton père n'a même rien fait pour toi. On poste en France, on poste aux États-Unis. Il n'y a pas un pays dans le monde où je ne poste pas. Parce que moi, il veut l'argent. Si tu es à Malabo, oui, 80 000. C'est même 85 000 maintenant. Parce que pour poster à Malabo, je crois qu'ils vont nous prendre un truc comme 20 000. Et le kit, c'est 65 000. J'ai augmenté les produits dans le kit. Pour que vous puissiez être mieux traité, j'ai augmenté. Ce qui fait que j'ai augmenté aussi le prix. Le monsieur continue dans la conversation. Que tant que je suis en vie, tu ne seras pas heureuse dans un couple. Toutes tes affaires ne vont pas marcher. Donc, ce qu'elle est partie faire, ça a permis qu'il vienne se dévoiler lui-même. Il dit. Il parle lui-même. Que c'est moi qui te bloque depuis. Ta voiture qui est en panne là, c'est moi. Voilà vos paroles qu'on vous donne souvent. Bon, tu es une bonne femme. Vraiment, je t'aime bien. Mais, tu sais, je vous ai dit qu'on livre au USA, non? On livre aux États-Unis. Je suis sûr que vous allez encore venir me demander votre ville, alors que je dis qu'on livre partout. Voilà, regardez, j'ai pas dit. Vous livrez en Côte d'Ivoire. Vous êtes bloqué. Il y a les kits à Louis. C'est disponible aujourd'hui à Louis. Il y a un local à Louis, au Gabon. Prends le numéro du Gabon. Si vous êtes près de vous, je vous donne le numéro. Vous payez, vous donnez votre nom et votre adresse. Numéro de Côte d'Ivoire, 07 79. J'ai donné le numéro de la Côte d'Ivoire, vous avez noté. Pour le Togo, vous écrivez au Cameroun. Peu importe votre pays, prenez le numéro aussi. 237 693 50